vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un vlog super cosy. Alors aujourd'hui cosy c'est un grand mot, mais on va faire plein de choses ensemble, donc je me suis dit pourquoi pas filmer cette journée et le faire ensemble tout simplement. Ça vous motivera aussi, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, là maintenant il est 7h30 du matin, donc on va se mettre à déjeuner maintenant et puis on est déjà samedi, donc pas d'école aujourd'hui, pas de travail, mais par contre la petite a tennis aujourd'hui. Donc on va prendre notre petit déjeuner ensemble, je vais l'emmener au tennis et puis on va se changer parce que aujourd'hui je vais travailler dans le jardin. On va enfin commencer dans le jardin, comme le printemps se rapproche à grands pas. Alors vendredi prochain il va faire 17 degrés, donc c'est vraiment le moment de commencer à profiter du jardin. Mais avant ça, il y a vraiment énormément à faire dans le jardin. J'ai mes rosiers à mettre en ordre juste devant la maison. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur la partie jardin juste devant la maison, et plus tard dans les journées, ben on ira plus tard dans la semaine, on ira derrière, mais ça sera pour une autre vidéo. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Il y aura un peu de nettoyage et puis un peu de jardinage, et ça vous motivera à en faire autant à la maison chez vous. Donc si vous avez un jardin, c'est vraiment le moment de tout remettre au propre, de tout remettre en état en fait, d'enlever toute trace d'hiver. Et comme ça, de cette manière en fait, vous pouvez déjà planter vos légumes, etc. au printemps, Inch'Allah. Alors après le petit déjeuner, je me suis changée vite fait pour pouvoir travailler dans le jardin. Donc je vais commencer avec les sedum que j'ai plantés dans des bacs juste aux appuis de fenêtre devant la maison. Donc ce sont des fleurs qui fleurissent de juillet et ils commencent avec un rose clair. Et puis ils terminent vraiment en automne avec une couleur bien bordeaux, vraiment super belle. Une super belle couleur. Donc ils fleurissent de juillet jusque fin octobre. Alors je vais faire la même chose dans les deux bacs, donc j'ai deux appuis de fenêtre et puis ensuite je vais bien écraser la terre et puis je vais venir arroser, vraiment bien arroser puisque c'était sec, comme ça ça peut reprendre et j'aurai de nouveau des belles fleurs en juillet.
Après ça, je vais commencer à tailler tous mes rosiers. Je crois que j'en ai 5, je sais pas, 5 ou 6 devant la maison. Donc je vais vraiment tout tailler et je vais tailler, je vais vous montrer comment je fais. Mais je suis vraiment le nœud. Donc je suis le nœud de chaque branche, tout simplement. Et puis une fois que c'est fait, que j'ai terminé de tailler tous mes rosiers, parce que j'en avais un paquet, enfin c'est fait, c'est fini, ils pourront vraiment bien fleurir pendant le printemps, Inch'Allah. Donc je vais passer à la porte d'entrée, donc je vais essayer d'enlever tous les bacs, je vais tailler ce que je peux tailler, puisque j'avais des chrysanthèmes juste devant la porte, et j'ai remarqué qu'il y avait de la verdure, donc pourquoi pas, peut-être que ça marchera. Je vais les tailler et ensuite je vais tout balayer et puis bien arroser. Donc la prochaine fois, probablement vous me verrez décorer la porte d'entrée pour le printemps. Donc j'ai acheté une super belle couronne de chez Primark. Je vais y mettre des nouvelles fleurs devant la porte et puis on va bien décorer. Mais avant ça, bien sûr, il faudra nettoyer. Donc c'est ce qu'on fait dans cette vidéo. On va bien nettoyer pour pouvoir préparer le terrain pour la prochaine fois. Voilà le résultat d'une entrée bien propre. Donc tout a été balayé, la poubelle je l'ai ramassée. C'est vraiment prêt pour la prochaine fois, Inch'Allah, pour passer à la décoration. Donc une fois que c'est fait, je vais rentrer à la maison. On va se faire un bon café et puis on va passer au nettoyage. Bon, là, ça y est, on est parti pour la deuxième partie, c'est-à-dire le nettoyage. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais faire tout ce que j'ai pas le temps de faire habituellement et que j'ai pas le temps de faire pendant mon nettoyage hebdomadaire, c'est-à-dire faire quelques petits trucs un peu plus en profondeur. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce sont des choses qui se font attacher sur les radiateurs. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et ça évite vraiment que la pièce soit sec à cause des radiateurs. Donc, je les ai reçus de ma mère, je vais les nettoyer et puis je vais les sécher et puis je vais les placer tout simplement. Comme ça, ils sont déjà prêts. Alors, comme c'est le mois de mars, on allume déjà très souvent encore les radiateurs. Donc, c'est pas pour tout de suite qu'on va les éteindre. Donc, je vais les essuyer et puis je vais les remplir d'eau. Et puis, je vais les placer comme ça. C'est fait une fois pour toutes. Et je les trouve super mignonnes. Donc, ce sont des petites maisonnettes. Et je trouve qu'elles ressemblent un peu à ma maison. Donc, un peu traditionnelles. Et je les trouve super originales. Et ça a un peu des couleurs de mon salon. Donc, le vert émeraude, c'est la couleur de mes canapés. Donc, je trouvais que ça, c'était super cute dans le salon. Donc, je vais les placer. Et puis là, on va passer au reste.
Ensuite, on va passer au nettoyage de la gazinière et je vais utiliser ce produit, donc RES. Donc c'est en fait un produit que vous utilisez pour tout ce qui est métallique, bronze, or, argent et inox aussi. Donc moi, je vais les utiliser pour nettoyer ma gazinière piano. Donc ma Boretti tout simplement, je vais vraiment tout nettoyer, il suffit tout simplement de prendre un chiffon sec et puis de mettre le produit au-dessus et puis de passer sur tout ce qui est inox. Moi je vais passer sur les plaques, je vais enlever vraiment tout de ma gazinière, je vais passer un coup de torchon un peu partout et puis par après il suffira de rincer le torchon et puis de repasser avec un torchon humide dessus pour pas avoir de traces. Donc je vais faire la même chose au-dessus de la gazinière mais aussi à la façade, comme ça elle brille super bien, comme c'est la star de ma cuisine. Et comme ça, ça fera un peu briller tout ce qui est inox, etc. Donc ça fera de l'allure, ça rendra l'allure de ma gazinière. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire environ une fois par trimestre. C'est pas vraiment tout le temps à faire, c'est vraiment pour que ça redonne brillance au métal, etc. Donc voilà, on va faire ça et puis on va passer au reste de la cuisine. Alors il n'y a pas vraiment besoin d'un grand nettoyage de cuisine, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc pendant mon nettoyage de printemps, mais je vais utiliser un produit pour nourrir le marbre. Donc le produit, je vais le faire moi-même, je vais mélanger le savon de Marseille que je vais faire fondre et puis du savon noir, et ça c'est vraiment idéal pour nourrir tout ce qui est granit et le marbre, etc. Donc le plan de travail, c'est vraiment au top. Je le fais de nouveau une fois par trimestre et donc ça fait briller, ça va faire enlever toutes les traces. Je pense par exemple aux traces de casserole, je pense par exemple à vos mugs que vous déposez, ou vos verres que vous déposez sur votre plan de travail, ça va vraiment tout enlever. Un peu de savon de Marseille avec un peu de savon noir et tout redevient nickel. Avant de commencer à nettoyer mon plan de travail, je vais tout d'abord nettoyer mon évier. Donc là, j'ai mis du savon noir tout simplement. Ça va aider à enlever tout ce qui est tache. Et puis, je vais bien frotter pour pouvoir le désinfecter. Donc, je vais faire ça avant de pouvoir faire mon petit mélange. Donc, comme je vous ai dit, savon noir, savon de Marseille pour nettoyer mon plan de travail. Une chose que j'avais à faire aussi, c'est remplacer les fleurs qui sont fanées chez moi, qui étaient dans le vase. Donc je vais nettoyer le vase, je vais enlever les fleurs du vase et puis ensuite on va y placer des nouvelles fleurs. Cette fois-ci, je pars sur des tulipes tout simplement, puisqu'ils étaient à 1 plus 1 chez Albert Heijn. Non, pas à 1 plus 1, pardon. Ils étaient à 2 paquets pour 5€ chez Albert Heijn. Donc, je vais venir vraiment enlever toutes les feuilles, etc. Je vais remplir un nouveau vase et puis je vais les placer dans le vase. Je vais y rajouter un peu de sucre. Franchement, c'est une nouvelle astuce que j'ai appris. Donc, un peu de sucre dans de l'eau. Et puis, donc comme je vous ai dit, je vais enlever toutes les feuilles. Je vais les tailler et puis je vais les placer dans le vase. Et ce que j'aime faire ces derniers temps, c'est les placer au-dessus de ma gazinière qui est toute propre et donc avec les petits bois à découper, donc les planches à découper qui se trouvent juste derrière, c'est super beau, ça fait vraiment super cottage. Et donc voilà, une fois que ça sera fait, on en aura fini.
Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je suis hyper fatiguée, j'ai fait énormément aujourd'hui. Et franchement, travailler dans le jardin, ça creuse. Donc je vais commencer à faire à manger et puis profiter de ma soirée, mettre mon pyjama, regarder un bon film sur Netflix. Alors j'ai regardé l'histoire d'Anna Delvey dernièrement et c'est ce que je suis en train de terminer. Donc j'ai vraiment un planning hyper chargé. Et donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo, juste pour vous dire que les vidéos à venir, en fait, je vais partager ici et là, ce sera des vlogs ensemble, donc on va passer la journée ensemble. Je vais partager ici et là des recettes ainsi que des jus, etc. Que vous pourriez aussi utiliser pendant le Ramadan, Inch'Allah. Alors c'est dans un mois, donc c'est juste assez le temps de partager avec vous quelques recettes. Et voilà, des recettes que vous pourrez utiliser pendant le Ramadan, Inch'Allah, comme vous le savez. Moi, pendant le Ramadan, j'aime manger healthy. J'aime diminuer tout ce qui est gras, etc. Et je mange le moins possible de viande. Donc voilà, vous verrez peut-être un plat à base de viande dans mes vlogs à venir, mais c'est tout. Parce que vraiment, pendant le Ramadan, j'essaie de manger énormément de fruits et légumes. Et j'essaie vraiment de manger sain, plein de sucre lent. Plein de vraiment des repas healthy tout simplement pour pouvoir tenir le lendemain, ne pas avoir soif, ne pas avoir faim et être en forme, parce que pendant les journées, pendant le Ramadan, j'aime être hyper actif pendant la journée. Donc je travaille très souvent dans le jardin par exemple, ou bien voilà, pendant la semaine je travaille pour le travail, et le soir c'est plutôt le côté spirituel, donc c'est de la lecture, de l'apprentissage, etc. Question islam en tout cas. Donc moi c'est comme ça que j'aime organiser mon Ramadan. Et donc pour ça, en fait, la nourriture c'est hyper important, parce que le lendemain, pour se sentir en forme, il faut manger sain, il faut avoir des sucres lents, etc. pour pouvoir tenir vraiment toute la journée. Et donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.